Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'usine va fermer. Mais votre société a toujours su affronter le vent mauvais. Hugo, tout putain, tout le monde est au Vietnam maintenant. Alors mes amis, battez-vous ! Sœur ! Nous, on est en fait des espèces de petits artisans. On fait toute l'année des petits jouets en bois. Et une fois tous les deux ans, on fait un meuble. Et donc ça, ça nous paraissait, un beau meuble. Hein, un beau meuble. Vraiment, un meuble rigolo. Mais en tout cas, quand on fait un film, on veut que ça ait une vraie portée. Quoi, sinon, on en fait un sketch. Quoi. Et dans l'immobilier, peut-être une idée, moi. On t'écoute, Louise. Parce qu'avec 20 000 euros, on pourrait faire buter le patron par un professionnel. La trame, nous l'avions déjà pratiquement évoquée dans Groland, puisqu'on avait fait une série qui s'appelait Don Quichotte de la Révolution, où donc moi je jouais le rôle de Sancho Panza, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce rôle, mais bon. Et Benoît, donc Don Quichotte. Et moi, j'étais livreur de pizza et lui sur sa moto. Et puis, on luttait contre les moulins à vent du libéralisme. Et dans le dernier épisode, je me faisais virer de mon boulot de livreur de pizza. Et Benoît voulait me venger. On trouvait que c'était vraiment symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où se retourner, vers qui se tourner, où est le patron. Et donc, on est parti de ça. Plus, on a additionné des idées qu'on avait, même quelques-unes, quelquefois, des films précédents qu'on n'avait pas pu mettre. Plus, des belles idées visuelles. Enfin, des gags, etc. Et on a et tout ça, c'est un Rubik's Cube. Donc on a mis tout ça dans le film et plus d'autres choses. C'est peut-être bien qu'on parle du... Combien ? 20 000 euros. Laissez-moi réfléchir un petit peu. T'es d'accord ? J'ai trouvé l'oiseau rare. Il a fait plein de trucs. Hein. Il a fait la Corée du Sud. Kennedy, sur lui. Bah bon, faut pas trop le dire. Vous êtes des professionnels, je suis un professionnel. Et ensemble, on va faire du bon business. Là, on est plus dans le réalisme. C'est pour ça qu'on a choisi le Super 16 un peu granuleux. Enfin, vraiment, mais aussi pour voir l'humanité de chacun des personnages de plus près, de pas être dans la poésie, être vraiment dans quelque chose de tranché, quoi, dans l'injustice au quotidien, mais tout en aimant les gens qu'on montre, mais tu vois, on voulait pas les amocher non plus, mais en tout cas, on est dans quelque chose effectivement de plus urgent, quoi. En revisionnant tout ce qu'on avait fait, je dis à Yolande, putain, Yolande, on a réussi à faire un Don Quichotte, quoi. Butez le bon, hein, parce que nous, on n'a pas la fortune de Bill Gates, hein. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller buter le patron vous-même, il y en a marre à la fin. Je peux Robocop, moi.